Bonjour, bienvenue en Tunisie. Donc je vais vous parler à propos de l'implant aérien Bright Ocular et du changement de la couleur de l'iris. C'est un implant qui est robuste, qui est fin et qui se met facilement à l'intérieur de l'œil. Il donne une couleur vraiment naturelle. Il y a différentes couleurs. Il y a 3 nuances de vert, 2 nuances de gris et du bleu. Et les couleurs sont très naturelles. Le taux de satisfaction est très élevé et jusque-là, plus d'une année d'expérience, on n'a pas eu à les enlever. Dans le suivi des patients, il n'y a pas eu de problème, notamment pas de glaucome et pas de complications cornéennes, pas de cataracte non plus. Avant d'opérer, il y a des examens préopératoires à faire qui sont nécessaires et indispensables pour la chirurgie. Il faut faire un comptage des cellules endothéliales, il faut mesurer la profondeur de la chambre antérieure. Il faut prendre le white-white, c'est-à-dire il faut que l'examen soit strictement normal avant d'opérer. L'opération dure 5 à 10 minutes par œil. En général, on fait les deux yeux dans une même séance. Pour l'incésie, on peut faire une incésie locale ou une incésie générale, selon la préférence du patient. Le suivi se fait sur 3 à 4 jours. En général, le premier jour, il y a un petit flou visuel qui est dû à un œdème de la cornée et qui disparaît au bout de 2, 3 jours, voire 4 jours au maximum. Et rapidement, on récupère une vision totale à 10 sur 10. Pour l'implant, c'est un implant qui se met facilement à l'intérieur de l'œil avec un injecteur. C'est un implant qui colle parfaitement à l'iris, les lésions au niveau de la cornée. L'iris et la pupille continuent à fonctionner normalement en post-opératoire, mais on ne voit que le nouvel implant aérien. On ne voit que la couleur qu'on a mise à l'intérieur de l'œil. L'implant Bright Ocular, il est conçu de telle sorte qu'il y a des petites rainures derrière la face qu'on voit. Et ces rainures permettent à l'humeur aqueuse de circuler de façon naturelle à l'intérieur de l'œil et empêchent le blocage pupillaire et la montée tensionnelle, le glaucome. Et en même temps, il permet à l'implant d'être près de l'iris sans le toucher directement. Donc il ne fait pas une inflammation. Et franchement, dans le suivi de mes patients, avec les gènes et les complications qui sont dues au port des lentilles de couleur, en post-opératoire, il n'y a plus de gènes. C'est-à-dire, c'est fini, on a changé la couleur des yeux, mais sans avoir les problèmes qui sont dus au port des lentilles, les infections, les irritations, la sécheresse oculaire qui est due au port des lentilles. Pour le futur, c'est beaucoup plus intéressant que de mettre des lentilles de couleur. Il faut que ce soit, l'indication soit bonne et qu'il faut que le choix des patients soit convenable. Il faut que le chirurgien et une expérience chirurgicale, parce que c'est pas n'importe quel chirurgien qui le fait. Moi, j'ai une expérience actuellement de 15 ans de chirurgie du segment antérieur, j'opère aussi la rétine, mais j'ai une expérience déjà de 15 ans pour la mise des implants de type artisan, et ceci me permet à maîtriser la chirurgie de cet implant aérien. Donc il faut que le chirurgien soit chevronné, qu'il ait une expérience en matière de chirurgie du segment antérieur. On reçoit actuellement des patients de partout, notamment d'Europe, des États-Unis, du Canada, mais aussi des Tunisiens, des Libyens, des Algériens. Et jusque-là, on a eu zéro complication. On n'a pas eu de complications du tout et on n'a pas eu recours à l'enlever. C'est un implant qui est très bien toléré et vraiment, il donne une couleur totalement naturelle. C'est-à-dire, on a du mal à reconnaître si c'est un implant ou pas. Vraiment, une couleur très naturelle. Sinon, je vous invite à venir en Tunisie, c'est un très beau pays, un peuple très hospitalier. On a des sites touristiques magnifiques, des hôtels magnifiques. C'est un pays touristique, la Tunisie est un pays touristique. Les Tunisiens sont chaleureux, la gastronomie tunisienne est très bonne. Bienvenue en Tunisie, on a de très belles plages. Vous pouvez visiter Sidi Bou Saïd, Hammamet, Nabl, Djerba, Sousse. Et en même temps, profitez, faites de la chirurgie en Tunisie, de la chirurgie esthétique. Vous pouvez faire plein de types de chirurgie et notamment changer la couleur des yeux. Et ça va vraiment changer votre vie. Enfin, je veux féliciter Bright Ocular. Je veux la remercier pour avoir conçu cet implant qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très agréable. On n'y croyait pas, mais vraiment, elle a réussi à faire quelque chose de magnifique. Un implant qui est très naturel, la couleur, elle est magnifique. C'est un travail vraiment de grand artiste. Et le type de matériau et la tolérance de ce matériau par l'œil, c'est vraiment extraordinaire. Je la félicite vraiment pour ce travail.